Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour un événement que personnellement j'attendais et que mon frangin aussi attendait depuis un moment, c'est-à-dire son saut en tandem pour ses 18 ans pour découvrir le parachutisme. Et donc du coup, je vais profiter de cette vidéo pour faire découvrir à des personnes qui, comme peut-être vous devant votre écran, n'avaient encore pas osé sauter en tandem et que vous posez la question, comment ça se passe, comment on va se sentir, est-ce que c'est vraiment flippant et est-ce que c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire. Alors, pour un tandem en parachute, en général, il va vous falloir bloquer une demi-journée, voire une journée. Comme tout sport aéronautique, vous allez dépendre de la météo. Et vous savez que la météo, des fois, c'est vraiment pas facile, même en plein mois de juillet, parce qu'on a eu le cas il n'y a pas si longtemps. Une fois que votre réservation sera faite, il faudra aller faire une visite médicale chez le médecin. Ça peut être fait maintenant par n'importe quel médecin, donc votre médecin traitant fera parfaitement l'affaire. Vous aurez une feuille à imprimer sur un site en ligne sur la FFP et du coup vous devrez lui faire remplir, donc il devra vérifier au niveau du cœur et tout que vous êtes apte à sauter en parachute. Ne vous en faites pas, les critères pour sauter en parachute sont quand même assez simples à remplir, donc c'est vraiment accessible à n'importe qui de ce côté-là, croyez-moi. Une fois cette visite médicale passée, votre rendez-vous à la drop zone prise, vous avez fait à peu près le plus gros du travail puisque maintenant il vous suffira juste d'aller à la drop zone le jour prévu. Ce jour-là, vous allez d'abord dans un premier temps commencer par remplir les papiers qui comprennent en général les assurances, les risques liés au saut en parachute et la licence. Parce que oui, quand vous sautez en parachute, vous avez une licence de la FFP. Donc si derrière vous continuez votre formation de parachutiste parce que vous voulez faire une PAC ou une OA parce que vous avez kiffé de ouf le parachute, ce qui est fort possible, et vous aurez déjà votre licence. Du moins, vous aurez déjà votre numéro de licence. Ensuite, une fois cette étape faite, on passe direct au briefing. Là, je vous mets un peu des images. En gros, le briefing, on va vous expliquer comment ça se passe au sol, comment ça, vous allez être équipé, comment le matériel fonctionne, comment ça va se passer dans l'avion, 3000 mètres, à la sortie, sous voile, au posé, etc., etc. Et puis, une fois que cette étape est remplie, c'est parti. Bon, qu'est-ce que t'en penses alors? Ah, écoute, d'après le résumé, j'ai pas toutes les infos encore, mais on verra bien. Ça a l'air pas trop mal, non? Ça a l'air plutôt fun. En plus, t'as vu, tu pilotes. C'est génial, ça. Alors ça, c'est la partie que j'ai... C'est la partie qui va être drôle, ça. Et hop là. Elle t'a dit que t'allais peut-être poser, aussi. Là, ça va être... Ça s'est rebouché. Ah, merde. C'est mal parti, quand même. Mais bon, on va sauter. Bon, on profite du mauvais temps pour regarder un peu les autres s'amuser. Et lui en plus il a modifié sa vol. Comme ça, que dalle, ouais. Bon. Ah non, ça je fais pas moi. Trop fort. Non, du coup tu veux poser en survitesse toi aussi? C'est trop rapide. Non. Il est pas chaud pour essayer. Yeah. Ah, l'angle bloqué. Ah, il y a le masque qui est parti. Ah, voilà, c'est bon, je suis là. Le fond. Ça, on dirait les masques des aviateurs dans les années 30. Ouais, c'est ça. C'est un peu le masque de la Seconde Guerre mondiale, quoi. Confortable, ton truc, hein? Franchement, ouais, de ouf. C'est mieux que le mien, quoi. Et recommandé. Il est plus rembourré que le mien, quoi. Mais ah, mais j'aime bien ta tête. Rien. Ouais. Alors, quelle gueule j'aime, ouais. Alors, c'est bon, vas-y, mets les lunettes pour voir. Ah oui, elles sont là. Je veux voir la tête que t'as en mode. Elle te sert bien ou quoi? Ouais, en vrai. Les lunettes. Ah, les lunettes, ouais. Ça tient bien? Bon, là, ouais. Tu vois plus la route, mais. Attends, non, elles sont pas vraiment serrées en fait. Après, elle te les resserre. Hein. Ouais. Vas-y, remets-les sur ta tête. Je vois mieux. Yeah. Bon, moi, il me manque ça. t'as pas le gros sac à dos, ouais, là? C'est ça. C'est dommage, hein. Je peux pas, c'est rien. C'est dommage, j'ai tellement quelque chose. Alors, attends, vas-y, retourne-toi pour voir. Ah merde, y'a pas le warning. Ah si, y'a le couteau. On a le couteau. Là, c'est pour te couper en cas de problème, on te coupera toi. On sauvera le moniteur. On largue l'élève. On largue l'élève. On largue l'élève. On largue les Salut Damien. Salut. Pour quelle occasion ton saut? Pour mon anniversaire, du coup, je crois. Je crois. Je crois, mais je suis pas sûr. Bon anniversaire. Merci, mais c'était il y a longtemps. Oui, c'est pas grave.
Et là, tu te sens comment du coup? Très bien. Prêt à y aller? Pour l'instant, ouais. Pas de retenue. Et bah, ben, c'est parfait. On verra bien là-haut. Ah, il est là. Et là-bas, le taxi. Yeah.
Trop bon, mais trop léger, putain. On sort des commandes du coup aussi. Il voulait rester. Oh, tu le peux kiff. Pas remonter. Bon. Ah pardon. On est focus, les lunettes. Comme tu m'as. Bon, c'est pas parfait hein, sur la boîte. Ouais, c'est normal. Ah mais c'est. Alors ton avis? Incroyable. C'est vrai? Ah c'est vrai. Alors en plus t'as eu plein de nuages, plein de couches, plein de. C'était trop cool. De A à Z hein. Ouais, ah ouais, aussi, aussi. Ah, oh. Mais la chute. On est parti un peu sur le côté, donc tu vois l'avion. Tu fais ah. Bon, alors, content de ton cadeau, visiblement. Ah, trop bien, génial. Donc, tu reviens quand? Ah, bah, le plus tôt possible. Ah, c'est trop bien. Là, je vais encore un petit message pour. Enfin, l'origine du cadeau, du coup. Ah, bah, merci. Parce que ça vous doute. C'est trop bien, non, c'est génial, c'est pas quoi dire, je suis encore dans les nuages, moi. Ouais, j'ai envie d'y retourner d'ailleurs. Allez, félicitations à toi. Ouais. À la prochaine. Ouais. Alors, c'est pas utile. Ah, c'est trop bien. En plus, j'ai splitté dans l'avion quand même un peu, hein, quand même. Ouais, j'ai vu qu'à un moment, t'étais un peu plus. Ça réfléchissait un peu plus, ouais, quoi. Ouais, mais quand même. Ah, mais on y va. Surtout que ouais, ils ont mis du temps à sortir donc fallait se dépêcher. Non non mais tu sais il y a des moments où tu te prends des petits dans l'avion, tu sais, il y a des petits fous là du haut le cœur un peu, tu sais, je faisais putain c'est haut quoi. Ouais. Ouais, moi tu me dis à l'altitude à 2000. Ah d'accord. Ah ouais. Ok, et on se retrouve du coup maintenant, alors quasiment voilà, 2 jours après le saut en parachute de mon petit frère. Il a bien eu le temps de redescendre, d'arrêter de planer dans sa tête. Et du coup, je vais en profiter pour faire une petite conclusion avec lui, de savoir qu'est-ce qu'il en a pensé, comment ça s'est passé pour lui, comment il l'a ressenti, est-ce qu'il y a eu des choses stressantes ou pas, et qu'est-ce qu'il aurait à dire, du coup, s'il y a des gens qui hésitent encore à se lancer en parachute, puisque lui, c'est quelque chose qu'il a vécu très récemment. Je vais le chercher. Hop, ça y est, je l'ai trouvé, c'est parti. Vas-y, je t'en prie. Voilà le nouveau pioupiou. Yeah. Bon, et ben en gros, on en profite, tu sais, maintenant on est 2 jours après, t'as eu le temps de bien redescendre parce que l'autre jour tu planais un peu quand t'as posé les questions. Et du coup, l'idée serait juste de dire comment ça s'est passé, comment t'as trouvé ça, le tandem en parachute, quoi. Est-ce que tu le recommanderais déjà? Ouais, carrément. C'est un truc qu'il faut faire déjà, on peut pas, c'est difficile de le décrire parce que c'est des sensations qu'on peut pas avoir autrement, donc c'est... Non, faut le faire en fait, faut passer le pas. Et si tu te demandes si tu veux le faire ou pas, c'est qu'il faut le faire. Faut pas se poser la question. D'accord. Et t'es d'accord avec le fait que en fait, c'est un truc, on aura beau te montrer des images, on aura beau t'expliquer comment c'est. Non, en fait, t'arriveras jamais à comprendre. Parce que là, du coup, maintenant, toi, tu comprends en fait ce que je te disais. Ouais. Il y avait quand même quelqu'un qui gérait autour, donc moi j'ai pu vraiment observer vraiment la sensation et pas me concentrer sur où faut pas laisser les mains, où est-ce qu'il faut que je sois, comment faut que je sois. Ouais, c'était vraiment, tu profites du truc à fond, quoi, c'est ça le tandem. Vraiment observer. Donc toi, tu conseillerais en fait le tandem avant tout pour quelqu'un qui veut essayer. Ouais, quand même. C'est vraiment pas mal. Et qu'est-ce que t'aurais à dire du coup aux gens là, tu sais, qui pourraient regarder la vidéo un petit peu et qui sont encore en train de se dire ouais, c'est cool, tu vois, ça a l'air sympa, il a l'air d'avoir kiffé, mais ça a l'air d'être flippant, tu vois, et je suis pas sûr que je veux le faire. Qu'est-ce que tu donnerais un peu comme conseil pour leur dire que en fait c'est un truc à essayer, quoi.
Bah, nous, du coup, moi j'ai eu l'occasion de faire justement un parc d'attractions juste avant. Et ouais, du coup, c'est un bon parallèle, du coup. En gros, ça a rien à voir avec une attraction où on va prendre vraiment un Léo le cœur, là, vraiment où on va être impressionné, où c'est assez puissant. C'est vraiment quand on est lâché dans l'air, en fait, on a déjà, bon, déjà en avion, on a déjà des appuis. Donc en fait, on n'a pas cette sensation de tomber, vraiment de cette sensation de vide là. C'est vraiment, on a l'impression de planer au début. Et puis c'est vraiment, Ce gros le cœur que t'as peur. Qu'en fait, ouais, quelques jours avant, on est allé à Nigloland. Et Nigloland a la particularité d'avoir une grosse tour de chute. Qui est sans doute la plus haute tour de chute en Europe, il me semble, parce qu'elle fait 100 mètres, donc ça fait à peu près une bon 70 mètres de chute. Ouais. Et il avait jamais essayé, du coup on a pu essayer ça. Et c'est vrai que sur cette attraction, t'as vraiment une sensation d'avoir un haut le cœur assez attiré en dessous. Ouais. Et ça, du coup, ouais, tu dis que tu l'as pas retrouvé sur le parachute. Non, pas du tout. Non, c'est vraiment quand t'es lâché, en fait, c'est tu te laisses aller. Il y a peut-être une toute petite chute, mais il y a pas de haut le cœur ni rien. C'est vraiment t'as l'impression de planer. En fait. Ouais, puis on a vu que t'as kiffé sur la vidéo. c'était direct posé. Ouais. Bon, bah cool. Du coup, quoi pour la suite? Quoi de prévu? Pour l'instant. On va continuer ou... Ah ouais, carrément, ouais. Ah c'est ouais, bon. C'est à ce point-là. Ce sera pas dans l'immédiat, mais une bonne pack ou quelque chose comme ça, quoi. Ce serait pas de refus, quoi. Voilà. Bon, bah cool. Et bah, GG, bienvenue chez nous, hein. Bienvenue dans les airs. Et puis, bah, au plaisir hein, pour sauter ensemble. Ce sera génial de faire ça. Bah, carrément. Cool. Bon bah sur ce on vous laisse là, merci à tous d'avoir regardé, j'espère que du coup ça en aura motivé quelques-uns pour se lancer dans le parachutisme ou au moins essayer le tandem parce que ça se voit, hein, même quelqu'un qu'on n'a jamais fait, derrière c'est fou comme sensation. Et puis sur ce, moi je vous laisse là, je vous dis à la semaine prochaine, salut tout le monde, ciao.